En 1953 à 17 ans, il arrête ses études et entre à l'école des Beaux-Arts de Strasbourg, où il apprend le métier de céramiste. En 1956, un professeur du conservatoire de Montpellier lui offre le rôle de Frédéric dans le film « L'Arlésienne » tiré de l'œuvre d'Alphonse Daudet. Son petit succès médiatique local le pousse à tenter sa chance à Paris alors qu'il a 20 ans. Il entre à l'ENSAT, École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre de la rue Blanche, où il devient l'élève de la comédienne Berthe Bovy.